L'ange dit à Marie, je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé Fils de Dieu. Pendant qu'ils étaient à Bethléem pour le recensement, elle mit au monde son fils premier-né, elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Quand vint le huitième jour où l'on devait circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus comme l'ange l'avait indiqué. Puis, Jésus fut présenté au temple suivant la loi de Moïse. Le vieux Siméon le reçut dans ses bras et dit « Seigneur, laisse ton serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Et voici que des rois se mirent en route, et l'astre qu'ils avaient vu à son lever les devançait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Ils entrèrent et tombant à genoux, ils se prosternèrent et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Plus tard, après avoir choisi ses apôtres, Jésus gravit la montagne et il les enseignait. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, heureux les doux, heureux les miséricordieux, le royaume des cieux est à eux. Un jour, il leur dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et aussi, aimez-vous les uns les autres. Et encore, quand vous priez, dites « Notre Père ». Enfin, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Après avoir fait des miracles, après avoir ressuscité son ami Lazare, Jésus fit une entrée triomphale à Jérusalem que nous célébrons lors de la fête des rameaux. Le soir du jeudi saint, il lava les pieds de ses apôtres, leur montrant combien Dieu, par son Fils, se fait tout petit et serviteur. Au cours du dernier repas, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi. » Puis, prenant du vin, il le bénit et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en sang versé pour vous. » Le lendemain, trahi par Judas, Pilate l'interroge « Es-tu le roi des Juifs ?»« Tu l'as dit, je le suis. » Alors, il fut condamné. Jésus, crucifié, meurt sur la croix le vendredi saint. 3 jours après sa mort, les femmes venant au tombeau ne l'ont pas trouvé, mais l'ange leur a dit « Ne craignez pas,
Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. » 40 jours après, Jésus disparut à leurs yeux, et le jour de la Pentecôte, avec Marie, tous furent remplis de l'Esprit-Saint. Depuis, nous partageons son corps et son sang, et par l'Esprit, nous pouvons naître à sa résurrection.